Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vais faire une nouvelle tentative. Le premier, ça m'avait bien amusé, donc je ne sais pas trop encore quel format donner, mais donc voilà. je m'essaye à un vlog à lecture à la semaine. On verra ce que ça donne. Donc là, on est déjà le jeudi, donc bon, voilà, je suis super bien organisée pour le premier vlog de semaine. On commence un jeudi, mais j'avais envie de présenter les lectures que j'ai justement faites déjà cette semaine dans le cadre de Mars féminin. J'ai choisi ce roman dans ma palle qui traînait depuis un petit moment. Je l'avais acheté après avoir lu euh, Zorro d'Isabella Allende. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais envie de lire un autre roman d'elle. Et celui-ci me tentait bien. Ça se passe à Saint-Domingue euh, au moment de la Révolution euh, française. Je ne vous lis pas le résumé parce que la lecture à voix haute et moi ça fait deux. Mais euh, voilà, ça, ça... pour l'instant j'ai juste commencé. Hein. Je suis... Euh... Voilà, je suis à la page 77. Et, euh, et là, pour l'instant, c'est un peu étrange parce qu'on nous présente plein de personnages, mais euh, je vois pas trop où est-ce qu'elle veut nous mener pour l'instant. Voilà, on rencontre euh, un propriétaire terrien qui arrive de France pour reprendre... Euh, la direction de la plantation, il y a une jeune esclave, il y a une courtisane et euh, donc tous ces personnages sont liés entre eux mais on, pour l'instant on ne comprend pas très bien où l'auteur veut nous mener. Donc je suis, euh, je suis assez curieuse de, de voir où ça mène mais pour l'instant j'ai un peu de mal à rentrer vraiment dans l'histoire. Et en jeunesse j'ai choisi ce roman qui vient de sortir à l'école de loisirs euh, Possession de Moka. J'avais lu il y a un an ou deux, je ne sais plus, un roman jeunesse chez de, de Moka qui, qui se passait dans ma région, dans le Marais-Poitevin, et c'était un, un thriller jeunesse aussi. Et j'avais moyennement accroché, donc j'avais vraiment très envie de réessayer parce que je me... voilà, je, je voulais pas rester sur cet échec. Alors, c'est pas que c'était à mauvaise lecture, mais j'avais pas été complètement con convaincue. Donc euh, voilà, j'avais très envie, Et le pitch de celui-ci avec une maison qui semble hantée, un jeune garçon. Là, je pareil, je viens juste de commencer. J'en suis à la page 35. Et euh, on commence avec euh, Malo euh, qui sort d'une maison de repos où il a passé euh, deux mois après le suicide de sa sœur. Et là, il arrive chez lui, et bon, évidemment, sa famille est complètement dévastée. Sa sœur a quitté le collège, sa mère est en dépression, son père est toujours absent. Et donc, lui, il arrive, et, et puis, c'est un enfant, euh, il est bien sûr euh, marqué aussi, mais il a envie de bah, retrouver ses copains, d'être à l'école, de s'amuser, de rire, mais il n'ose pas, et il va se faire une, une nouvelle amie. Qui, qui, est, qui a le front parlé, qui va vers lui tout de suite, et qui n'est pas du tout impressionnée par le fait qu'il sorte d'une maison de repos, au contraire, ça l'intéresse, parce qu'elle dit « quand je serai grande, je voudrais être psy ». Et voilà, j'en suis là pour l'instant, et ça a l'air vraiment pas mal. Là. Je, contrairement à l'autre, je suis beaucoup plus entraînée par l'histoire. Bon, maintenant j'ai lu que 35 pages, donc euh, c'est un peu tôt pour savoir si je vais aimer ou pas, mais en tout cas, j'ai envie de savoir qu ce qui va se passer, je, je le trouve assez intriguant, donc euh, c'est plutôt chouette. Je viens de recevoir Moxie euh, en format poche, qui vient de, de sortir chez euh, le livre de poche euh, Jeunesse. Et euh, j'avais vu la bande-annonce sur Netflix. et J'ai pas encore vu le film, mais quand j'ai vu que ça sortait en poche chez Jeunesse, ça a tout de suite euh, attiré mon attention. Je connais pas du tout l'autrice, euh, donc euh, une américaine. Euh, mais le pitch me, me tentait bien, ça se passe dans un lycée avec une jeune fille qui bah, qui en a marre du sexisme ambiant et, et qui décide de se révolter. Et euh, d'après ce que j'ai compris sur, sur la bande-annonce aussi, il va y avoir aussi une relation avec euh, bah, la même révolte de sa mère, mais 20 euh, ans bah, plus tôt. Donc euh, j'ai vraiment hâte de, de, de tenter cette lecture. Et puis je pense que ça pourrait aussi euh, intéresser Mimiko, puisque bah, le féminisme, euh, la lutte contre le sexisme et tout ça, ce sont des, des thèmes qui, qui l'intéressent aussi. Donc euh, voilà, à voir. Côté manga, j'avais pas mal de choses sur le feu. Je venais tout juste de commencer Blue Period et j'avais aussi commencé le tome 3 de Moriyoung, une série coréenne que j'ai commencé le mois dernier. Mais ce sont deux séries écrites par des hommes, du coup je me suis dit pour rester dans l'esprit de Mars au féminin, je suis allée chercher dans ma palle qui ne manquait pas de titres écrits par des femmes et j'ai choisi Lidl. Euh, le deuxième tome puisque j'avais commencé cette série en octobre dernier et puis j'avais pas pris le temps de, de me reprolonger dans la suite alors que la série ne fait que trois tomes j'avais beaucoup aimé l'ambiance très étrange du premier tome et je suis ravie d'avoir repris donc euh, juste quelques images pour vous montrer euh, c'est pas commun comme, comme euh, dessin de manga moi je trouve ça très beau et l'histoire est vraiment étrange euh, entre psychologie, euh, fantastique. Euh, On a euh, le personnage principal qui, je ne sais pas si c'est lui, celui lui ressemble pas vraiment en fait, mais je pense que c'est lui. <laughs> voilà, c'est lui là. Le personnage principal de l'histoire, c'est lui, et euh, il s'inquiète pour euh, son ami qui fait des rêves qui semblent vraiment l'amener dans un autre monde. Voilà, lui, ce jeune homme là fait d'étranges rêves qui l'amènent dans un monde. Où... Dans une maison avec une jeune fille qui lui parle, et quand il rêve, euh, on dirait presque qu'il est mort. Donc, il essaye de se renseigner auprès d'universitaires euh, en psychologie en... et en neurosciences. Il essaye un peu de se renseigner sur ces phénomènes et les comprendre ce qui arrive à son ami. Et euh, c'est vraiment chouette, c'est euh, très particulier. Nous sommes samedi 12, je n'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, mais j'ai quand même pris le temps de finir le deuxième tome donc de cette série et euh, franchement je suis conquise, j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome, et là euh, je trouve que là c'est encore mieux, ça devient beaucoup plus captivant, euh, il y a une ambiance très étrange euh, avec ce personnage qui rêve, on sait pas s'il est fou, s'il est en train de vivre une expérience euh, surnaturelle, les dessins sont vraiment magnifiques, j'ai vraiment été captée par cette ambiance un peu étrange, un peu décalée, euh, entre euh, rêverie, euh, discussions sérieuses et scientifiques, euh, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses, et euh, j'ai trouvé vraiment ça super, donc il ne me reste plus qu'un seul tome, puisque la série se termine en trois tomes, et je pense que je vais enchaîner, enchaîner directement avec le troisième tome, parce que là je, voilà, je viens de le terminer, et je suis, euh, je suis encore dedans, et j'ai envie de, de poursuivre un petit peu cette, euh, cette ambiance étrange, D'autant plus que l'aventure prend un tournant sur, sur les dernières pages. Et donc euh, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-il donc vraiment fou ou capable de communiquer avec des gens du passé Alors je vous parlais de, tout à l'heure, enfin hier, de Mars en féminin, mais je n'ai pas dit que ce challenge était... Euh à l'initiative de Flow and Books et que évidemment je mettrai le descriptif euh, dans en descriptif plutôt <laughs> le lien vers sa vidéo où elle explique euh, les, le principe du challenge mais voilà en gros elle, a, elle propose plusieurs catégories mais en, en gros c'est euh, lire des autrices donc euh, j'ai continué à piocher dans ma bibliothèque euh, tout des mangas écrits par des femmes j'ai mis ceux écrits par des hommes en pause pour l'instant et évidemment j'ai envie de lire donc la, Troisième et dernier tome de Lidl. Mais j'ai aussi sorti L'Atelier des sorciers qui est dans ma palle depuis une éternité et que je voulais déjà lire le mois dernier. Et puis aussi j'ai ressorti Le Pavillon des hommes. Le premier tome je l'ai déjà lu euh, il y a un petit moment, j'avais beaucoup aimé, mais puis je ne sais pas pourquoi j'ai mis la, la série en pause. Et là, j'ai vraiment envie de la reprendre, d'autant plus que je me suis acheté quelques tomes supplémentaires. Donc voilà, là, je recommence depuis le début parce que je me souviens de quoi ça parle, mais voilà, je me souviens plus des détails des, de l'histoire puisque ça fait quand même trois euh, ans au moins que j'ai lu le premier tome. Donc euh, voilà pour les mangas que j'ai choisis. Je ne sais pas trop encore par lequel je vais commencer. Je crois que je vais rester dans cette ambiance-là puisque je viens tout juste de finir le tome 2. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Donc, je disais, alors, je ne veut pas me laisser tourner cette séquence, que nous sommes dimanche matin et que hier soir, j'ai donc euh, fini euh, Lidl. Je ne sais pas trop comment ça se prononce au fait. Mais, euh, <laughs> voilà. Euh, donc, le troisième et dernier tome. Euh, de, des trois tomes, celui que j'ai préféré, c'est le 2. Ça m'a plus, euh, plus emporté, c'était plus poétique, mais celui-ci offre quand même une fin, une fin intéressante. Et euh, donc, on voit Vladimir et hum, Hugues. Partir à la recherche de la maison qu'ils voient en rêve depuis le début, euh, donc euh, au premier tome. Et donc ils vont, vont chercher euh, cette maison dans aux États-Unis. Et euh, du coup, je vous révèle pas la fin puisque ça serait euh, dommage. Mais euh, je, voilà, ça donne une, un côté un petit peu plus mystique, un petit peu magique. Pendant deux tomes, on se demande si c'est psychologique, qu'est-ce qu que ça cache. Et là, ça prend vraiment une tournure très fantastique. Une fin un peu floue, donc euh, voilà, ça laisse aussi un peu euh, champ libre à l'imagination parce qu'on ne nous explique pas vraiment tout, on ne comprend pas vraiment euh, pourquoi de tout ça. Il y a un petit détail aussi que j'ai trouvé très étrange, mais, mais c'est intéressant, c'est très poétique, c'est à la fois fantastique, philosophique, on aborde pas mal de choses, notamment avec des personnages qui s'interrogent sur le l'environnement, sur euh, l'impact de l'homme, la croissance de la population humaine. Et nous sommes aux années 80, donc c'est assez rigolo de, de le lire maintenant, parce que bah, qu'on se rend compte qu'en fait, là ils, déjà ils disent, oh là là, euh, on est en train de tout détruire, et puis euh, voilà, on est euh, 40 ans plus tard, et les choses ne se sont pas du tout améliorées, je dirais même qu'elles se sont dégradées, donc c'est le décalage de lire ça maintenant, c est assez intéressant, et en même temps ça reste... Très moderne, en fait. C le, voilà, c'est pas daté. Enfin, je trouvais que c ça restait quand même très... Euh, Toutes ces discussions sur l'humain, etc. Ça, ça reste toujours pertinent. Donc voilà, j'ai fini ça hier soir. Et là, je m'apprête à euh, me plonger dans le pavillon des hommes. Comme je disais euh, hier soir, euh, j'ai déjà lu le premier tome, mais comme ça fait un petit peu, un petit peu longtemps, j'ai envie de recommencer depuis le début avant de lire la suite. Donc euh, ça se passe donc dans le Japon euh, médiéval et euh, une maladie a ravagé euh, pratiquement tous les hommes. Et il reste presque que des femmes du coup les, les pouvoirs s'inversent et ce sont les femmes qui vont occuper tous les postes de, de pouvoir et les hommes qui vont être euh, bah, du coup euh, un peu comme des trophées les mal... voilà c'est toute une stratégie de pouvoir à savoir qui va pouvoir se marier etc L'impératrice va avoir donc plusieurs hommes d'où le pavillon'. de... Des hommes, comme un empereur comme avait plusieurs concubines, ben là c'est l'inverse. Et donc euh, voilà, on a toute cette société avec le pouvoir inversé entre les hommes et les femmes. C'est euh, assez intéressant, mais avant de vous en dire plus, je vais me replonger dedans. Ça y est, j'ai fini la lecture du premier tome de Pavillon des hommes. Et euh, tout à l'heure, je me suis trompée, c'était pas l'impératrice, c'est la Shogun qui a donc euh, le pavillon des hommes avec plusieurs concubins. Et dans ce premier tome, un premier chapitre nous explique un petit peu comment la maladie est arrivée, comment les hommes ont commencé à disparaître, etc. Et puis ensuite, ce jeune homme-là qui décide de s'engager dans le pavillon des hommes parce qu'il est amoureux d'une jeune femme qui ne pourra pas se permettre de l'avoir pour époux et que ses parents veulent les, le marier à, à une bonne famille. Et donc voilà, lui décide plutôt d'aller dans le pavillon des hommes dans l'espoir de pouvoir gravir les, les échelons. C'est très hiérarchisé. Et euh, puis je vous raconte pas la suite parce qu'il y a toute une intrigue assez intéressante, mais du coup, voilà, on suit pendant une bonne partie de, du tome ce jeune homme, puis il se passe tout un tas d'intrigues et on va euh, quand, suivre d'autres euh, personnages qui sont aussi à l'intérieur du, du pavillon et on découvre aussi la dernière euh, Shogun. Et là, c'est intéressant parce qu'elle elle a une vision de politique très différente de celle qui est en. En œuvre dans à cette époque et du coup elle s'interroge à la fois sur le fait que bah, ce sont les femmes du coup, qui ont les positions de pouvoir mais elle continue de devoir de porter des ondes d'hommes quand ils reçoivent les étrangers ils font semblant d'être des hommes s'habillent en homme etc et du coup elle s'interroge par rapport à ça et d'un autre côté euh, elle veut aussi réduire les dépenses toute cette frugalité toute cette euh, les beaux qui moulent, etc c'est c'est pas son truc elle elle est très euh, c'est une guerrière elle veut euh, instaurer beaucoup plus de frugalité donc dans, dans le palais et euh, cette très lecture était très sympa et j'ai très hâte de découvrir donc la suite où on va suivre d'autres membres du pavillon je vous montre juste quelques images parce que les dessins sont magnifiques enfin, j'aime beaucoup le trait très fin de, de l'autrice c'est très joli voilà donc, on est vraiment dans une, une ambiance euh, époque de samouraï. Et cette euh, inversion des pouvoirs c'est assez intéressante. Ça voilà. Maintenant, j'hésite entre enchaîner directement sur le tome 2 ou reprendre un peu les lectures de mes romans parce que cette semaine, je n'ai pas aussi bien avancé que je l'espérais. Donc, je pense que je vais. Essayer de lire encore quelques pages des romans et puis j'ai aussi bah, des chroniques à écrire donc euh, je sais pas trop combien je vais pouvoir avancer mais voilà, je, je m'accorde un petit moment, un petit thé avec un roman et puis après je vais m'attaquer à la rédaction des, des chroniques pour la semaine prochaine. Bon, finalement j'ai repris le roman L'île sous la mer et j'ai lu quelques pages, ben, non, pas beaucoup, hein, j'ai dû lire 35 pages à peu près. Euh, on rencontre encore de nouveaux personnages. Euh, là, je pense avoir identifié qui est le personnage principal, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on rencontre encore des personnages. À chaque fois, je pensais au départ que la courtisane allait jouer un rôle important, mais là, elle passe vraiment en second plan. Donc, euh, je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas où on va. Mais Alors, en tout cas, je suis assez bien prise par les, le style de l'écriture. Donc, c'est quand même agréable à lire, même si je ne comprends pas trop où on va euh, en venir. Euh, là j'ai fait une petite pause pour préparer de la pâtisserie et euh, maintenant je vais aller rédiger mes billets donc ce sera le mot de la fin pour ce premier vlog euh, je vous mets à suivre quelques images des instances d'années de lecture en musique sur les, les premiers jours de la semaine j'espère que ce vlog vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner et à me laisser en commentaire euh, vos avis à très bientôt